Dans cette vidéo, on parlera de la puissance et de l'énergie électrique. La puissance est le taux auquel l'énergie est transférée ou convertie. C'est la quantité d'énergie transférée ou convertie par unité de temps. La puissance est donnée par la formule P égale l'énergie E transférée ou convertie sur la durée delta T correspondante. En électricité, P est égal au produit de la tension U et de l'intensité I du courant. Dans le cas d'un conducteur ohmique, en appliquant la loi d'Ohm, on peut écrire u égale RI et en déduire que I égale U sur R. Puis, en se référant à la formule P égale UI, on remplace U par RI et on obtient P égale RI au carré. Maintenant, en se référant de nouveau à la formule P égale UI, on remplace I par U sur R et on obtient P égale U au carré sur R. Les quatre formules obtenues peuvent être regroupées en une seule. Si on fait le produit en croix en utilisant une partie de cette dernière formule, on obtient la formule correspondant à la loi de Joule. E égale RI au carré delta T. Notez que, dans le système international d'unités, U s'exprime en volts, R en ohms, I en ampères, E en joules et P en watts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.